Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 7 du Let's Play de Resident Evil HD. Alors, dans le dernier épisode, nous avions tué la plante 42 et nous avions trouvé la clé casque et nous nous dirigeons vers... on se dirige pas, on retourne dans le manoir pour ouvrir les anciennes portes. Les portes qui étaient fermées, et puis on va... on va faire un épisode, je pense. Un épisode où on fait que le manoir et... Et j'ai oublié de redéposer le truc. Donc ça va me permettre de réfléchir en même temps. On va faire un épisode, je vais bien voir. Un épisode où on fait que le manoir et puis le prochain épisode on se dirigera vers les si je me trompe pas vers les égouts. Donc là on retourne à la maison, nous qui avons mis tellement de temps à la quitter et qu'on était content de l'avoir quitté. Et ben non, on doit y retourner. This is Jill. Does anybody hear me? I hear you, Brad. Over. Stars Alpha Team. Bravo Team. Doesn't matter. Respond. I repeat, this is Brad. Brad? Brad. This is Brad. Can't answer me. Somehow give me a sign. Jill to Brad. Can you hear me? Brad. Brad. Shit. It's broken. Ah oui, je regarde un truc parce que... Ouais. Ah, de toute façon, on retourne à la maison, donc on n'a pas besoin de... À moins qu'ils me disent c'est fermé. Bah non, ça peut pas être fermé. Non, je réfléchis parce qu'il y a... Il y a tout un système avec la manivelle, les conneries et tout, donc... Ils ont troqué les corbeaux contre les chiens. C'est cool. Donc ouais. Ah bah les serpents sont revenus. Attends, ils sont sérieux là? Ah merde, en plus je suis empoisonné. Ah là là, c'est pas le moment d'être empoisonné. Hé, lâche-la. Elle va crever la chatte. Je te dis, viens pas crâner avec moi, je te défonce. T'es sérieux toi?
coup de fusil à pompe et tu... t'es pas mort. Plus en plus arrogant. Oui, ça c'est... c'est des nouveaux monstres. Je vous présente les Hunters. Ceux qui connaissent pas. L'emblème de la famille Spencer est gravé sur la poignée de la porte. Ok. Donc, nous sommes revenus. Donc, je vais devoir passer par en haut. J'ai rappuyé. Ouais, on va passer par on va passer par là. Ah oui, mais non. Oui, mais si. Sérieux la fraise. Ah là là, c'est pas possible. Je perds trop d'énergie. Je suis désolé, hein, je vais devoir prendre de... non, ça non. Ça et ça. Le problème c'est que ouais, je reviendrai plus tard. Allez, on est parti, on va monter pour redescendre. Ouais, si c'est bon. Ah bah il est pas là. Jadis il y en avait ici donc mais là vu qu'ils ont l'air un peu plus chiants les hunters, ils n'ont pas mis. Oh merde. J'ai m'a surpris en fait lui. Je pensais pas qu'il n'avait mis un ici. Petit problème de caméra. Ah oui, c'était lui. Oui, mais je pensais qu'il l'avait remplacé par Hunter ou qu'il l'avait viré complètement. Normalement ici ils mettent pas de hunter. Bien qu'ici ça sert pratiquement à rien de venir.
T'es sérieux là, tu m'as donné? Quel tableau? Ce serait ce tableau? Bon, bref. Oui, ici, donc ça sert pas grand-chose de venir. Ah, quoique. Con. Oh, une boîte, ça c'est cool. Ah, c'est pas ici. Bref, on va ouvrir la boîte, examiner. Rien d'habituel. J'ai pris ça pour rien, fait chier. Je crois que, en fait, normalement, avant ici, on venait. Y avait, pour ceux que je dis ça pour ceux qui connaissent pas. Hein. Y avait une armoire. Et en fait, quand vous aviez fini le jeu une fois, on vous donne une clé. Vous venez ici. Et en fait, tu ouvres l'armoire et tu peux changer de costume. C'est tout con. Par contre, je pensais que c'était différent. Mais là, ça sert encore plus à rien. En plus, j'ai pris la boîte, je suis sûr qu'il faut la clé. Donc, moi, je dois retourner là-bas. On va reprendre un pompe. Parce qu'on ne sait jamais ce qui se trouve là-bas. Oui, je suis un peu déçu d'avoir pris la... Je suis un peu déçu d'avoir pris la boîte. Surtout que j'ai pas énormément de place. Attendez que je me trompe pas. Ah, je ne sais même plus si c'était en haut ou en bas. Pourquoi j'ai appuyé sur ce bouton? Si, je crois que c'est ça. Oh, je sais plus, on va faire toutes les portes en bas.
C'était là. Oh non, quel con! Je vais mourir. Faut que je me casse. C'est pas ici que je voulais venir. Il aurait changé. Bon. J'ai trouvé le serpent, mais c'est parce que le serpent, j'ai pas utilisé cette arme-là pour le... pour le tuer. Pourquoi ces portes verrouillées depuis l'autre côté là? Ah oui. Ok. Pourquoi j'ai appuyé dessus? N'importe quoi. Je cliquais à côté. Ouais, mais non. Non.
Donc je vais descendre, je vais déposer les choses qui ne me servent à rien. Le problème c'est qu'il n'y a plus de zombies. Il y a plus de zombies, mais j'ai peur qu'il y ait d'Hunter, non? Ah non. Alors. C'est ça là, il n'y a pas tant que ça de d'Hunter. Oui, parce qu'on fait le truc du serpent, mais il y a une autre pièce normalement à ouvrir pour le serpent, et c'est pour ça que je suis perdu. Il doit y avoir un, souci quelque part. Attends. D, pardon. Va ressortir. Va re-rentrer. Normalement ça. Ça se remet, je dois mettre les trucs devant quelque chose, non? T'es parti trop loin, chat. Thank you.
Ok, j'ai compris. À quoi ça sert d'avoir récupéré des diamants si je sais même pas où il faut les mettre? Non, par là-bas. Ouais. Je sais pas ce que je vais faire des diamants. Hein. Dit tout de suite. Ah bah c'était le serpent, donc à côté c'est cool. Faut que j'aille voir ça. Puis en même temps ça me libérera une place. Je suis venu, je ne sais plus alors là.
On va voir ce que c'est. Tiens, une statue. Oula. Ah oui, c'est complètement logique, il y a un trou, tiens, on descend. Alors, c'est quoi le livre? Dernier livre, volume 1. Cool, le médaillon de l'aigle. Alors, 1967, je suis... Non, mais à chaque fois que je me...
Bah oui, descends encore plus profond dans le noir, où tu sais pas que ça va t'amener, bah oui. C'est quoi ce bruit? Ok, elle est pas toute seule. Attends, on va regarder la carte, je suis perdu là. Ok. Donc ici... Bah ça c'est bon. Là il y a un mot, ah non une carte. Ah ouais, je vous le dis, je vais pas me faire chier avec eux. Oui, Raccoon City, qui est la ville qui est à côté du manoir. Enfin, à côté. Donc, on est revenu ici. On va prendre l'ascenseur.
Je sais pas où ça va m'emmener. Vous êtes sérieux là, j'ai tourné en rond, j'ai fait tout ça pour rien. Bref, il y a un truc que je voulais tester. Et qui me fait flipper. Ah bah je... Vu que je me suis perdu, vu tous les trucs à faire... Je doute qu'on va faire un épisode dans cette maison. Ouais, le moment tant attendu, enfin tant redouté pour moi. Il y a des marques octagonales. Ça, non. Non. Il faut les mettre où ces putains de... Essayer un truc, je doute fortement fortement que ce soit ça, mais non, normalement c'est l'œil du faucon qu'il faut mettre. Enfin, ou de l'aigle, je sais plus, le truc qui bougeait là. Par contre, je ne sais pas comment on l'ouvre, donc. Le jeune, il a fonctionné. Un disque mot. Ah non, bleu et jaune. Ah, c'est parce qu'avant, avant il n'y avait pas les deux têtes et il y avait juste celui à prendre, donc finalement je pense que j'ai pris un truc qu'il fallait pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon, par contre, je les avais pas vus venir. Donc ce que je vous propose, c'est que déjà je me soigne. Je dépose tout ça. Je sauvegarde. Putain, j'ai presque plus de balles. Le fusil. Et puis dans le prochain épisode, bah, on fera... on ira au serpent. Donc je vous dis bah merci d'avoir regardé cet épisode. Désolé hein, de vous avoir promis quelque chose que je n'ai pas pu tenir.
Et puis, à part les trucs octogonaux et tout ça qu'on a vu là en dessous des escaliers, il me reste plus qu'une salle à faire en fait. Je dois tuer le serpent. Il y a la petite. Il y a la salle ici à ouvrir. Et puis après, bon bah. Donc on va voir. Donc je vais tuer le serpent dans le prochain épisode et puis on verra bien ce qui se passe. Merci à tous donc d'avoir regardé cet épisode. Et puis je vous dis bah à ciao les amis.